Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Une petite vidéo toujours sur la même snapshot où on va reprendre la partie un petit peu évoluée, niveau 58 à l'heure actuelle. Et je suis revenu dans mon premier village avec mes chiens. Quelques-uns sont là, d'autres sont déjà là-bas, un peu plus calme. Donc je suis revenu dans mon village où écoutez, la vie se poursuit pour les villageois. Ah tiens, il se met à pleuvoir. Donc les villageois à qui je vais offrir, je vois qu'il y a quelques naissances là-bas, ça veut dire ça fonctionne. Non ? Non, sérieux. Sérieux ? Donc avec ici un petit peu de monde. Et ici aussi un petit peu de monde. Voilà, le fait d'avoir mis les lits ici, ça améliore les choses. Pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que de l'autre côté là-bas, on a aussi une maison avec, hop là, un petit dortoir, et dans ce petit dortoir, bah, en fait, il n'y a que lui qui vient. Donc je supprime au fur et à mesure les lits d'ici pour les mettre là-bas. Et bah, moi je vais aussi faire passer ma nuit ici, donc c'est mon espace. Alors je suis revenu tout simplement parce que dans l'autre village, bah, j'ai quand même pas mal de choses à faire, et je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin de cette pioche en diamant que je récupère auprès du villageois qui les fabrique, enfin qui me les fabrique, c'est un peu exagéré, mais qui va me les donner. Et je me disais que jusqu'à présent je n'allais pas utiliser l'enclume, ne pas perdre de niveau, et finalement en fait bah, j'ai récupéré un arc que j'aimerais bien en fait vous voyez bien ce que je veux dire, les accumuler, histoire de récupérer un arc déjà en meilleur état et peut-être plus puissant. Voilà, et j'ai aussi, si je ne dis pas de bêtises, pas ici, pas ici, pas ici, donc ici, voilà, un livre enchanté efficacité 3 et un livre enchanté toucher de soi. Donc efficacité 3, ça serait pas mal. J'ai du diamant bien entendu, mais je le mets de côté pour l'instant pour essayer de ne pas l'utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis dans cet état d'esprit là, et je pourrais me faire ce qu'il faut ici, mais pour l'instant je suis pas parti dans cette idée là. Donc mon idée, c'est maintenant de fabriquer un bâtiment en mode forge qui a un petit peu plus de gueule que l'installation que j'ai ici. Où je pourrais aussi installer, eh bien, oui, le forgeron et puis l'enclume. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire ça par ici et j'allais le faire à la mode savane, hein. Donc je vais me lancer dans la récupération des éléments nécessaires, que ça soit du bois, que ça soit de la pierre, que ça soit du fer aussi éventuellement pour faire des barreaux. J'ai ici encore ce qu'il me faut en lave, donc ça va pouvoir alimenter tout ça. Voilà, bah donc je me lance, et je vais d'abord commencer par me coucher pour pouvoir faire ça tranquillement en plein jour. Allez, ça sera peut-être en mode accéléré pour vous, le temps de récupérer tous les éléments. Peut-être pas nécessaire de vous infliger toute la collecte, que ça soit le bois, la pierre, voilà. Allez, go. Alors ça c'était pas prévu, mais potentiellement j'ai ce qu'il faut pour un, les bousiller, et deux, alors je vais commencer tout de suite par ça, parce que donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on quand on baffe ce genre de bestiaux, allez go. Hop. Voilà, faudrait juste que mes chiens fassent le boulot. Et moi, il faut pas que je m'approche de trop du village, sinon ça va déclencher... Ah non, pas encore. Tant que je les ai pas tués, ça va rien déclencher du tout. Je raconte des conneries. En fait, c'est une fois que je l'aurai tué. Voilà, l'exil volontaire qui est dû, donc... Oh non, excuse-moi le chien. Ça y est, j'ai eu tout le monde. Voilà, on a tué celui qui portait la bannière menaçante. Donc, nous avons l'exil volontaire. Oui, désolé le chien. Et pour se passer de cet exil... Tiens, le chien. Oui, oh là là, j'aime pas. Tiens, hop là. Donc, pour se passer cet exil, eh ben, il suffit de boire un bon seau de lait. Et voilà. Alors, quelque part, c'est vraiment absurde dans le principe. Mais en fait, ça m'arrange bien. Voilà, donc c'était pas prévu. On a une bannière menaçante qui va pouvoir aller décorer un espace du village. Alors, je pense que pour le bois, j'ai ce qu'il faut. Mais je vais quand même aller récupérer les pousses. Voilà. Histoire de ne pas être en manque par la suite et de replanter éventuellement de l'acacia quelque part. Ouais, c'est généreux quand même. Alors, on va en remettre un ici. On va en remettre un par là. Celui qui était derrière là-bas, il va y avoir le droit aussi. Allez, je suis reparti en accéléré. Voilà, ça sera ici l'emplacement de la forge. Je suis pas encore convaincu de tout. Il me reste deux. On va peut-être faire comme ça. Voilà. Je me demandais où est-ce que j'allais mettre l'entrée. Et potentiellement, je peux faire ça par ici. Voilà. Avec donc ici, hop, une porte à faire. Ouais. Et donc je pensais mettre la partie entre parenthèses habitation en bois par là. Et il va falloir que je dégage ces trucs là. Tiens. Hop là. Allez, c'est reparti en accéléré. À tout à l'heure. Voilà, eh ben, j'aime bien ma petite installation. C'est pas parfait, ça le sera peut-être pas. Ça le sera peut-être jamais. Non, là j'aime bien. J'aime bien et je vais pouvoir donc maintenant refaire le ménage et commencer à améliorer certains de mes outils, certains de mes objets. On va commencer par l'arc. Certainement une pioche en diamant qui va récupérer un élément, c'est pas ici, c'est ici, voire même refaire une pour avoir, ouais, je pense que je vais dépenser un petit peu pour avoir une efficacité 3 sur quelque chose de particulier. Voilà, bon bah je vais voir ça dans un prochain épisode. De toute façon, là l'épisode c'était faire ma petite forge. Alors je vais essayer de me faire, hop, une petite vue d'ensemble, voilà, avec quelque chose un peu mieux dans la main, hop, voilà, pour faire une petite capture d'écran, et puis on sera très bien comme ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!